Bonjour à tous, c'est CocoDMT, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo TP. Aujourd'hui, on est parti pour creuser des fondations pour un particulier. Allez, c'est parti juste après la petite cinématique que je vous mets. Allez, à tout de suite. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va aller creuser des fondations. Donc on va partir directement avec le petit camion et puis le porte-char. Aller chercher la pelle sur chenille, la Lieberg, sur le chantier. Donc on va aller tout de suite faire ça. Et puis avec le tout nouveau camion de l'entreprise. Et puis voilà. J'espère que vous allez tous super bien. On a dépassé les 300 abonnés. Ça fait super plaisir. Merci à tous. Merci à tous ceux aussi qui partagent les vidéos, hein. Vraiment merci à tous. Je serai en live demain soir comme d'habitude à 20h30 jusqu'à 22h. Voilà. J'espère que le live vous plaira. Comme d'habitude, vous êtes de plus en plus nombreux sur les lives, donc ça fait vraiment plaisir. Surtout sur les lives TP, donc ouais, ça fait vraiment plaisir. Et puis ça fait plaisir aussi de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment le TP. Et en plus que moi j'aime bien le TP, donc ça fait vraiment super plaisir. Enfin bon, là on va aller chercher la pelle. On l'amènera sur le chantier. On laissera le camion là-bas et on ramènera le petit camion Ben avec le laser. Parce que pour creuser les fondations, il faut un laser pour que ben, justement la maison elle tienne. Hein. Faut que ça soit un endroit stable de niveau. Et puis voilà, bon, je sais pas ce que je suis en train de faire. Ah ouais, en plus j'ai mis les suisses-suiveurs, ben, je peux vous dire qu'on va galérer. Non, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais reculer comme ça là. On va se mettre dans la pâture avec les petits giros. Ouais, non, les giros, on les mettra quand la pelle elle sera dessus. Voilà, on va déplier les rampes et puis les. On va élargir en fait. Le plateau et on va prendre la pelle Lieberg, hop, voilà. Donc avec la lame limite on en a pas forcément besoin, mais bon je la laisse quand même. Et puis j'allais pas prendre la grosse Hitachi parce que bon elle est là depuis un moment sur le chantier, j'ai pas envie de la ramener là-bas. Puis on n'a pas forcément besoin là-bas. C'est vraiment pour creuser des petites fondations. Hein. C'est une petite maison qu'on a à creuser, donc bon. On a juste à creuser les fondations parce que en fait le sol il est niveau, donc il n'y a pas besoin de recreuser. Ils vont monter les murs en parpaing tout ça, donc il n'y a pas besoin de creuser directement dans la maison, juste les fondations sur le côté. C'est pas, moi je dis une maison, enfin c'est, on va pas dire que c'est une maison parce que on va dire c'est un petit bâtiment, un petit local qui va se construire et puis voilà. Hop. On va baisser la lame. On va la mettre comme ça. Il faut juste que je regarde si. Ouais, c'est bon, le bras il touche. Bah, du coup, je vais juste remonter un petit peu le bras. Voilà. Et en tout cas, j'espère aussi que les vidéos de TP vous plaisent autant. J'ai vu là la vidéo IRL, elle vous a plu, mais. Voilà, ça va, ça n'a pas été comme l'autre. Mais mercredi, je sais que, enfin, même moi, j'ai vu bon, la vidéo, c'est pas celle que je préfère au niveau montage, tout ça. Parce que je peux vous dire que je l'ai fait 20 minutes avant la sortie. Hein. Avant de la sortir, je crois que j'ai sorti vers 6h. Et bah, je l'ai faite en 30 minutes. Donc, je peux vous dire que, bon, j'étais pas très très satisfait. Mais. Là, la vidéo de mercredi, la vidéo IRL, je pense qu'elle va plaire à plus d'une personne. Parce que j'ai pris un petit peu de temps à la faire. J'ai pris 3 heures pour faire le montage. Et je trouve que ça rend vraiment bien. Après, c'est vous qui déciderez si vous mettez le petit pouce bleu ou pas sur la prochaine vidéo.
Mais voilà. Bah lui, on va le garer là. Hop. Ouais. Limite, non, je vais pas laisser les gyros. Et puis, on va descendre la pelle. Hop. Donc, je fais exprès de pas ramener le matériel avant. Parce que j'aime bien faire un petit peu de transport de matériel avec vous. En vidéo. Hop, on va essayer de pas démonter les plots. Voilà. C'est parfait tout ça. Donc voilà, on a les, on a le tour à creuser. Donc bah, les fondations quoi. Hop. Pour le petit local. Le godet. Je vais le mettre là. Pas dans l'entrée. Mais ce qu'on va faire là, pour une fois, on va pas charger la terre. La terre, on la chargera plus tard. Hop, voilà. Comme ça, le camion, on le reculera là. Voilà. Le camion Ben. Alors, le camion Ben. Parce qu'il y a beaucoup de véhicules. Voilà, le camion Ben. Donc, c'est le même. J'ai pris le laser, un godet. Et je vais vous montrer un mode excellent. C'est cette remorque, la petite remorque là. Et en plus, regardez. Elle est immatriculée comme chez moi. Elle est immatriculée Picardie. Donc, c'est. C'est super, c'est trop bien en fait. Il n'y a pas beaucoup de modes du nord, on va dire. Du coup, ça fait plaisir. Et puis, ben, on va mener ça. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Ben, pas grand-chose. Donc, on se retrouve quand je suis arrivé sur le chantier avec le camion Ben. A tout de suite. Ouais, je vous reprends ici parce qu'on va passer dans le petit village. C'est un village vraiment que j'aime bien, mais bon, après, il n'a pas beaucoup été détaillé. Ah oui, je voulais vous parler d'une map aussi. Voilà, la map Stop and Back. Pour ceux qui connaissent pas, n'hésitez surtout pas à aller voir le trailer, tout ça. Il y a eu une version console qui est sur le mode double. Voilà, après, voilà, la version console, il manque énormément de bâtiments, du coup. Et je trouve que... ça fait plus le charme de la map, je trouve. Il y a beaucoup d'endroits vides. Après, bon, c'est vrai que c'est pour aussi qu'on crée notre ferme, tout ça. Mais je trouve qu'il y a énormément d'endroits très vides. Donc, après, c'est peut-être mon avis. Enfin, c'est mon avis. Mais bon, je voulais faire du TP dessus. J'ai vu aussi les maisons. Il y a beaucoup de maisons grillagées. Donc, on peut pas rentrer avec une pelle. Une grosse pelle, donc c'est assez compliqué de faire du TP dessus. Mais pour l'instant, je suis bien sur cette map. On va rester sur cette map. Mais voilà. Alors le laser, on va le mettre ici ou on va le mettre au milieu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va bouger la pelle. Hop, voilà. Hop, hop, hop. Mais ce que je vais faire, c'est qu'on va se mettre direct là. Voilà. On va éteindre le gyro. Voilà. J'espère que ce petit chantier aussi va vous plaire. Ça change un petit peu d'habitude. D'habitude, je fais vraiment gros terrassement. Je fais pas beaucoup ce qui est petit terrassement. Mais bon. Voilà, on déplie. Comme ça, on le met à peu près au milieu. On n'est pas du tout au milieu. Je pense que là, on est bien. Ouais, on est bien là. On va bouger le camion. Hop. On va juste se mettre dans l'entrée. Voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, on est parti pour creuser tout ça. Avec la magnifique Lieberg. Ça fait hyper longtemps que je m'en suis pas servi. Hop. On est déjà à 8 minutes de vidéo. Ça passe hyper vite. Donc, le tas, ce que je fais, c'est que je le mets au milieu. À moins que je le mette sur le côté. Ouais, je pense qu'on va le mettre sur le côté. Je vais le mettre plus sur le côté parce que sinon, on va être embêté après. Pour venir rechercher le tas, parce que je l'évacuerai peut-être en live, peut-être ça, peut-être évacuer le tas en live, ça dépend. Hop. On va essayer de faire un petit tas, c'est bien sympa. On dirait le godet, ça... je sais pas, c'est mon impression, mais on dirait le godet, c'est un petit godet de bébé, je sais pas. Hop. Je trouve par rapport en fait à la Hitachi, c'est pas du tout le même godet. Hop. Voilà. Ah.
Je vais regarder si on m'entendait bien parce que des fois j'ai des bugs de micro. Donc là on m'entend très très bien, je trouve. Donc tant mieux. Par contre, la terre ça peut venir. Ouais, c'est un petit peu buggé quand même. Pourtant, j'ai pris quand même le godet qu'il faut hein, pour faire les fondations. Hop. J'ai pas pris le godet de curage parce que clairement ça sert strictement à rien dans une tranchée pour les fondations. À moins qu'on fait des très très grosses fondations, mais là c'est un godet de largeur, enfin de la largeur qu'il faut. Hop. Je mets le tas assez loin pour pas que ça nous gêne. Bon, franchement, il n'y a pas forcément beaucoup de matière, donc ça c'est ce qui est bien. Mais bon, on va pas tout faire en vidéo parce que je pense que ça va faire sinon une vidéo trop longue. À moins que je vous fasse à moins que vous voulez une petite vidéo de 30 minutes, mais bon, je pense pas que ça va plaire à certaines personnes. Après, je vois même des vidéos de 16 minutes. Voilà, il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent à fond. Des fois, je suis assez déçu quand même de voir qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui regarde mes vidéos en entière. Mais après, c'est peut-être que ça vous plaît pas, que ça vous plaît pas hein, justement, et que vous regardez pas forcément à fond. Mais bon, c'est dommage un peu. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si vous aimez pas les vidéos, vous aimez pas. Hein, mais voilà. Hop. Hop. Et aussi, je voulais parler d'un truc. Quand je tourne cette vidéo, donc on est jeudi. Et pour ceux qui suivent un petit peu Riot Gaming, c'est Raruto, pardon, Raruto. C'est un pote à moi, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, ça lui fera super plaisir. Tous ceux qui sont pas abonnés, ça ferait super plaisir, ça lui ferait vraiment super plaisir. Il a 274 abonnés. Si on peut lui faire passer les 300, ça serait super sympa. Et puis, j'ai vu que par YouTube, en fait, lui il fait beaucoup de ce qui est parodie. Il fait aussi des jeux donc comme Call of Duty Mobile, il est aussi super fort à Call of Duty. Il est vraiment très très fort. Et il a fait enfin, il voulait faire justement une vidéo ou une parodie de Emmanuel Macron et puis du Premier ministre. Et il a été strike, on va dire, enfin pas strike, mais la vidéo il peut pas la publier. Donc c'est pour vous prévenir ceux qui sont youtubeurs, qui adore faire les parodies tout ça sur la politique tout ça, bah, faites gaffe à vous, faites gaffe à ce que vous faites parce que il peut y avoir des amendes. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça pour vous prévenir. Après je suis pas le plus gros youtubeur. Je sais qu'il y a des personnes qui verront pas ce passage-là, mais ceux qui le voient, qui font des parodies tout ça, enfin, vraiment faites attention à ce que vous faites. Mais bon, après on est quand même dans un pays libre, donc on a minimum le droit de faire ce qu'on veut. Voilà. Hop. Donc là, lundi aussi, il n'y a pas eu de vidéo sur la série. Tout simplement parce que j'ai pas eu envie de faire une vidéo parce que ça allait être les épandages d'engrais, ça allait être des missions. Voilà, on connaît tous ce que c'est une mission, on connaît tous ce que c'est l'épandage d'engrais. Donc j'attends les moissons. J'attends les moissons pour faire la vidéo. Pour vous faire l'épisode 4. Voilà, j'ai pas. Parce que là, faut que j'avance. J'ai pas encore fait tous les semis de soja. J'ai pas du tout avancé sur la série. Donc voilà, faut que j'avance. C'est pour ça qu'il y aura pas de vidéo peut-être lundi, mais c'est vraiment pas sûr. S'il n'y a pas de vidéo lundi, j'en ferai peut-être une pour mardi. Mais après, ça me décalerait tout mon programme de la semaine. Mais bon, on verra si. Sinon, lundi, il y aura une vidéo sur Construction Simulator. Je pense que je ferai ça. Je ferai une petite vidéo Construction Simulator pour changer un petit peu d'habitude. Pour changer un petit peu de farming. Voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer un truc. On va tout de suite aller à l'entreprise. Ah bah si, vous l'avez vu dans la cinématique d'ailleurs. Mais regardez ce que j'ai fait. Et est-ce que c'est pas beau pour notre entreprise? DMT Terrassement.
Terrassement. Oh là, terrassement. Il me manque un E. Terrasse. Qu'est-ce que j'ai fait? Terrasse. Terrassant, là, c'est écrit. Mince, j'ai pas fait gaffe. Bon, bah, je modifierai ça. Mince. Faut que je refasse la miniature. Terrassement. Oh, ouais, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai oublié le E et le N. Bon, tant pis. En tout cas, bon, ça sera écrit DMT terrassement. J'espère que ça peut vous plaire. Que, bon, je trouve ça fait beau, hein. Ça fait un petit truc en plus. Voilà, je voulais vous le montrer. Faut que je corrige ça. Oh, j'ai vraiment pas fait gaffe. Ouais, j'ai pas fait gaffe du tout, du tout. Bon, bah, c'est le petit problème du direct. Ouais, j'ai pas fait gaffe du tout. En plus, j'ai fait la cinématique. Normalement, donc, je vais refaire la cinématique juste après. Donc, parce que là, je l'ai déjà faite. Donc, je la referai après. Parce que sinon, ça va faire. Ça va vraiment pas faire beau. Et je veux vraiment faire un truc propre. Je veux vraiment pas vous laisser avec la cinématique que j'ai déjà faite. Voilà. Je pense là on va faire une petite vidéo de 25 minutes. Parce que c'est déjà 16 minutes et on n'a pas tout fait. Donc j'ai vraiment envie de faire tout. Parce que sinon ça sera jamais fini. Donc hop. Donc le godet il fait que 2000. Et le godet de la grosse pelle il fait 4000. C'est vrai que j'aurais pu prendre la grosse. Mais regardez. Franchement ça le fait bien avec celle-ci, on s'en sert presque jamais. Enfin je m'en sers presque jamais, après peut-être que vous en servez beaucoup. Hop. Aussi le DLC Vicon est sorti, je pense pas l'acheter parce que je pense pas qu'il me servira. Donc je verrai bien en allant. Mais en vrai si je voudrais le DLC Vicon, ça serait juste pour sa presse à Balrog. Parce qu'on n'a pas besoin de s'arrêter. Ça serait vraiment juste pour ça. Comme elle a une préchambre, et bah du coup on n'a pas besoin de s'arrêter. Et c'est beaucoup plus rapide hein, pour ceux qui aiment faire les balles rondes. Mais bon, je pense pas l'acheter pour l'instant. Peut-être plus tard. À voir, à voir. J'aurais peut-être dû tondre en vrai. Ouais, j'aurais peut-être dû tondre avant. On va finir la petite pointe. Enfin, ouais, on va finir l'angle droit. Enfin, la petite pointe là. Comme ça, on tournera la pelle. Ouais, je pense qu'on va tout faire. On va faire toutes les fondations ensemble. Parce que sinon, bon, si on refait une vidéo à côté, tout ça, un live, ce sera tout le temps la même chose. Donc, autant vous faire la vidéo complète. Comme ça, on aura tout fait. Et puis, bon, après, la pelle, je la ramènerai moi-même à l'entreprise. Ça, je le ferai moi-même. Hop. Alors franchement cette pelle là elle va super bien. Hop. Donc ouais du coup je disais pour Stop and Back je voulais faire une série dessus, une série agricole, mais je vais vous la présenter quand même la map. Je vais vous oh, bah, peut-être que lundi ça sera peut-être une vidéo présentation de la map. Ouais je pense que je vais vous faire ça. J'en ai jamais fait de vidéo présentation de mob, donc je pense que je vais vous faire ça lundi. Bah, pour ceux qui aiment la série, bon bah, pas d'épisode cette semaine. Mais bon ça arrivera, vous inquiétez pas. De toute façon la série elle sera pas abandonnée, hein, vous inquiétez pas. J'adore vraiment la série, donc je l'abandonnerai pas cette série. Mais pour lundi, ouais, je vais vous faire une petite présentation de la map. Parce que je voulais vous faire une vidéo construction, mais si je vous fais une vidéo construction, ça fera que du TP. Et bon, il y a quand même certaines personnes qui aiment l'agricole. Même si on va pas faire d'agricole, mais petite présentation de map. Pour ceux qui veulent, qui hésitent peut-être à l'installer. Ouais, je vais peut-être vous faire ça. Ouais, je vous ferai ça en vrai, présentation de la map. Hop. Voilà. J'ai mis la sensi un peu forte, la sensibilité. Hop. Ouais, franchement, ça se fait vraiment bien. Je pensais pas que ça allait être aussi simple à faire. Hop. Bon, ce qu'il y a sur les côtés, je ramasserai avec le godet de curage.
Puis après, j'ai encore le montage à faire de cette vidéo. Donc normalement, elle sort demain 9h. Enfin, vendredi 9h du coup. Vendredi 9h. Parce que maintenant, j'arrive à planifier mes vidéos. Donc je suis assez content. Là, la vidéo pour mercredi, elle est déjà planifiée. Le montage est déjà fait. Donc voilà. 20 minutes de vidéo. Hop. Ouais, puis les 300 abonnés, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va je vais faire une petite FAQ. Ouais, je vais peut-être faire une aussi une petite FAQ. Hop. Ah oui, puis aussi donc là on... quand je tourne cette vidéo, on est jeudi et donc normalement demain matin, vendredi, à l'heure que la vidéo sort, je serai en tournage de la partie 4 de la des vidéos de la série IRL pour la pose de l'enrobé. Donc en espérant que ça vous plaise. Je sais pas comment j'ai filmé parce que bon, faut que je filme en face, faut que je les filme, il faut que je filme l'équipe. Donc c'est l'entreprise Colas qui vient nous le faire. Qui vient nous faire l'enrobé pour nos chantiers parce que nous on fait des chantiers particuliers comme vous le savez, voilà, vous savez un petit peu. Et donc je vais les filmer pour vous faire la partie 4. Je pense que ça peut être intéressant parce que vous allez voir le camion, je le mettrai en miniature parce que je pense que je mettrai l'équipe Colas avec le camion. Si j'arrive à les prendre tous en photo, ça serait vraiment super bien pour la miniature. Parce que vous voyez aussi maintenant, j'arrive à faire des miniatures. Enfin, je fais des miniatures à chaque vidéo. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus joli de faire des miniatures. Ça embellit un peu la chaîne. Donc j'en fais vraiment pas mal. Enfin, j'en fais pas mal. J'en fais pour toutes mes vidéos maintenant. Hop. Bon, ici, ça va être assez compliqué. Si c'est l'endroit un peu compliqué. Hop, la terre, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre de ce côté-là. Voilà. Hop. On va bouger le petit camion Ben, on va le mettre en face. Hop. Ah bah non, on va se mettre là sur l'herbe. Hop. Voilà. On met le petit gyro pour prévenir. Et puis on va atteler le godet plat. Enfin le godet de curage, je sais pas comment vous appelez ça. Moi j'appelle soit un godet plat, soit un godet de curage. Alors, donc là, il va falloir tout racler. Et puis, on va racler tout ça. Ça passe tellement vite, les vidéos. Faire des vidéos, ça passe hyper vite. Parce que là, je vois, on est déjà à 23, 24 minutes de vidéo. Ça passe hyper vite. Puis en plus là on avance bien donc c'est pour ça aussi que ça passe super vite. Hop, on va se mettre comme ça. Là on avance et normalement ça nous prend un petit peu. Ouais. Tac. Voilà voilà. Hop. Ouais, faut à tout près que je racle parce que sinon ça fait pas propre du tout. Ça fait pas professionnel. Sens là, bon, voilà, hop, tac tac tac, nickel. Cette pelle là va bien tourner comme ça parce que je sais que la Hitachi elle est assez compliquée. Après, la Hitachi elle est très très grosse par rapport à la Lieberg. Hop, on va déplacer un petit bout de ce tas là. Pour au moins qu'on arrive à tout évacuer, à tout pousser. Voilà.
Et puis on va racler ça. Hop. Et puis on va faire ici. Et puis voilà, comme ça le chantier il sera fait. C'était un petit chantier. Un petit chantier, mais au moins c'est fait. Hop. Est-ce que j'arrive à prendre ça? Oui. Hop. Alors, je sais pas ce que j'ai à chaque fois, j'inverse. Voilà. On va poser ça là. Hop. Voilà, nickel. Ça, c'est parfait. C'est fait. Hop. Alors, ce que je vais faire, c'est que la pelle, je vais la mettre ici pour bloquer l'entrée. Enfin, non. Je la mets juste ici, en fait. Pour qu'après, je puisse la recharger dans le camion. Hop. Voilà. Bon bah ça c'est fait, ça c'est parfait. Le chantier il est fait. Je prends un petit screen, je pense que je vais mettre ça en miniature. Voilà, nickel. On va mettre ça pour la miniature. Et en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire, oui. Et ce que je voulais aussi mettre, c'est une petite voiture. Je vais essayer de la retrouver. Vous voyez là il y a toutes les lettres, il y a tous les chiffres. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Voilà, donc les voitures. Donc ce que je voulais faire, c'est placer un petit camion ben. Ah, il y a ça qui va bloquer, je crois. Ce que je voulais placer, c'est un petit camion ben en fait, pour faire un petit peu stylé. Si j'arrive à le mettre là, ça serait bien. Non, au moins que je le mette ici. Hop. Donc, voilà. Un petit camion ben, et je sais pas ce qu'il y a d'autre. Ok, il n'y a pas d'autre chose. Et puis on va mettre la on va mettre ce camion là. Ah, ce que je vais faire, c'est je vais vraiment bouger la pelle. Hop. Parce que de toute façon je la chargerai après. Voilà, est-ce que du coup... Bon, sinon on va laisser tomber parce qu'il va falloir tout refaire. Bon, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner si c'est pas fait. Et puis à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi, sur ce, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était CocoDMT. Allez, ciao tout le monde.